Voilà, salutations à vous, chers amis, connectés, branchés dans www.congodialogue.com. Bienvenue dans cette émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. C'est plateforme de la réflexion et de la connaissance. Espace Dialogue avec moi, Josué Bolloy. Alors, juste pour vous rappeler, vous pouvez aussi nous joindre à pouvoir participer à cette émission. Avec vos commentaires, vos questions, vos suggestions, vous êtes toujours la bienvenue. Mon numéro est affiché dans vos petits écrans. N'hésitez pas à pouvoir nous contacter. WhatsApp, c'est ça, 0027-61-06-32-87. You are more than welcome to contact us. Facebook, c'est Josué Bolloy. Twitter, bien sûr, c'est BolloyJ15. Alors, vous êtes la bienvenue de pouvoir nous suivre. Voilà, comme vous savez, je vais dans vos petits écrans juste pour réfléchir. Vous allez m'excuser, je serai un peu bilingue, tantôt anglais, tantôt français, ou peut-être lingalais un peu, pour que nous puissions un peu nous aider à ceux qui peut-être vont nous suivre aux États-Unis, aux pays anglophones, à Nigeria, à Niger, partout, au Jamaïque, en Asie, partout ceux qui parlent en anglais. Et puis, nous serons quand même à mesure d'accommoder, voilà, ce qui se passe. Peut-être vous êtes informé de cela, peut-être pas, mais dis-moi, nous allons y réfléchir ensemble à ce qui se passe dans le monde de la religion, parlons de la religion, parlons des chrétiens, ce qui se passe au corps du Christ actuellement. Ce qui est vrai, c'est que je vais commencer d'abord à lire, il y a un passage biblique que je vais lire, comme c'est dans le cadre de religion. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. I would like to welcome everybody that's watching me right now. I'm your host, your presenter, Joshua Bolloy, coming live from Cape Town in South Africa. So I'm going to talk about what is happening in Christianity. Okay? Je viens juste pour nous montrer un peu ce que je sais pas comment je peux appeler ça. I don't know how to call it. I don't know how can I call it. It's like a battle. It's a war between prophets. It's a war between the prophecies. It's a war between the prophets, ministers. It's a war right now. So I don't know where to put it. How? Actually, I don't suit it. I don't see it. The first time I saw the war between the prophet, it was in the book of 1 Samuel, where we see the prophet Elisha with the prophet of Baal. You understand? That's the first time I see the battle of the prophet. But what I see these days, I wonder if it's really biblical. So who's prophet the Baal? Who's the true prophet? If the prophet between them, they're starting to fight each other. I don't get it. I don't get it for me. I don't really get it. I don't really get it. I never seen the biblical in the Bible where prophets of God, so called from God, who they've been genuinely called from God, they are fighting each other when it comes to the prophecy, you know. So I'm really amazed. I can't keep quiet as a media personality. I can't keep quiet. And to see and the minister that we honor and we respect in the body of Christ, you know, if they're part of us as well, they can just expose themselves to this, the point whereby they go straight to the media to show us what they're showing us right now at the first century and 21st century. I don't get it. I don't really get it. That's why I'm here, so that we can do some analysis what's really going on. All right. Donc je disais que la première fois que j'ai vu les guerres des prophètes, c'est le livre de 1 Samuel. Là, nous avons vu les prophètes Élie. Les prophètes Élie avec les prophètes de Baal. Il y a quand même guerre des prophètes. Guerre des prophètes, ils ont voulu démontrer, n'est-ce pas, leur puissance, n'est-ce pas. Ils disent, celui qui fera descendre le feu, il sera reconnu comme étant le vrai prophète, ainsi que leur Dieu sera leur Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on a vu. Donc, je ne vais même pas aller en beaucoup de détails. Don't go through the deep battle between the prophet of Baal and the prophet Elijah. But what I come to stay the screen because what I've seen like the past few days, ce que j'ai vu, cher ami téléspectateur, is a passé here in the monde, dans le monde ecclésiastique aujourd'hui. Là, nous voyons les deux prophètes reconnus dans le monde entier, reconnus au travers le corps de Christ comme étant nous les hommes, nous les voyons des prophètes. Nous savons pas si ce sont des prophètes, des vrais prophètes. Bon, ils témoignent que ce sont des vrais prophètes. Ils se battent. They are fighting each other. À l'occurrence, là, je cite le prophète Shepard Bushiri ainsi que le prophète Passion Java. Le prophète Passion Java,
C'est un jeune prophète, même le prophète Bouchir aussi de Malawi, c'est un jeune prophète qui a cartonné, s'il faut parler en termes de cartonné, l'Afrique du Sud, qui a au moins quand même plusieurs églises, mais plusieurs branches, mais le main church is in Pretoria, SCG, là où nous avons vu, et c'est quelqu'un, c'est un homme public, il donne des prophéties accurées, les gens sont délivrés, blablabla, ils réunissent des masses, et ici à Pretoria. Et de l'autre côté, c'est le prophète Passion Djaba. Passion Djaba, nous avons suivi comment, quand vous regardez, vous tapez ma Passion Djaba, vous allez voir ses exploits, ses prières, ses délivrances, et ainsi de suite. Et je voulais juste vous récapituler ces prophètes, parce que Boucher, nous les connaissons, il est ici à Pretoria, et nous voyons ses œuvres, nous voyons, il fait remplir les stades, spécialement les FNB, chaque le 31 décembre, nous voyons, c'est presque double. Les FNB à Johannesburg, Soweto Stadium, FNB Stadium qui est à Soweto, ça regorge au moins like more than 90,000 people. But when it comes to the eve, New Year Eve, the 31st of every 31st of December toward the 1st of January, Prophet Bushiri just accommodates crowded over even the 90,000 the capacity of the attendance of FNB Stadium. Alors, nous voyons maintenant il y a des guerres, il y a la guerre, il y a les combats. Je ne sais pas si c'est pourquoi. There is a battle now between them. Between Prophet Passion Djaba and Prophet Shepherd Bushiri. I don't know what's going on between them. Seriously, I don't understand. Personnellement, je ne comprends pas. Mais il faut maintenant tous la baroger, Baganakat, Afrique du Sud, Apoto, Toloubila, Makambo, parce qu'on ne peut pas garder silence, voir les deux prophètes qui travaillent pour Dieu. They are working for God. Now they are fighting each other for what? I do not know. So far, I don't know. Jusque-là, je ne sais pas, chers téléspectateurs. Les amoureux de Congo, alors les amis internautes, Maman Francine Ngebe de la Belgique, I do not understand, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe entre les prophètes. Prophète Djaba, juste votre background. Prophète Passion Djaba, il a maintenant 31 ans, il est né en 1988. Le prophète s'est marié, après, vers les années 2015, il a divorcé à sa femme Yasmine. Il a divorcé, ils ont un enfant. Et cet enfant, un garçon, il a donné le nom de son père spirituel qui est Hubert Angels. Hubert Angels, we know it's also a powerful man of God in Zimbabwe. He's impacting many, many people around the world, in Africa. And alors, prophète Djaba lui a donné le nom, le fils, son premier fils, le nom de prophète Hubert Angels. Il a divorcé à 1900, à midi 2015, pour se remarier encore avec une Éthiopienne, prophétesse Lily. Tu vois, et ils ont maintenant, je crois, deux enfants avec cette prophétesse-là. Et il mène une vie, he's having a luxurious life. He's driving like cars, expensive one, got houses, whatever thing, fortune, let's say that. Donc il a vraiment une richesse-là énorme que nous ne pouvons pas mentionner dans cette émission. D'un côté, de l'autre côté, prophète Bouchiri que nous connaissons, marié à prophétesse Marie Bouchiri, et il s'est marié une fois, il n'a pas divorcé. Passion Djaba a divorcé une fois pour se remarier. Prophète Bouchiri ne s'est pas encore, il n'a pas divorcé, il a juste une seule femme, la prophétesse Marie. Alors, ces deux ici, ce qui est curieux avec leur histoire, chers amis téléspectateurs, Obozolandanga, ces deux prophètes, ils ont le même père spirituel, Hubert Angels, those two prophets, they have got a small and one spiritual father. They always praise him. They are like sons to prophet Hubert Angels. So, I don't know what's going on between them. Jusque là, je ne comprends pas. Le problème, c'est quoi? C'est quoi vers le début de cette année, le prophète Passion Djaba dit qu'il a écrit les prophéties. Parce que ces prophéties-là, il a écrit un livre, il a mis toutes ces prophéties-là. Il a prophétisé ce prophète, le président Robert Mugabe, qui va mourir. He prophesied about the prophet, President Robert Mugabe, you're gonna die. We saw it. He prophesied many, many stuff. It happened. But the last prophecy that he prophesied right now, la dernière des prophéties qui a créé un problème maintenant entre le prophète Bouchiri et le prophète Djaba Passion, c'est que Passion a dit, en 2019, on a perdu Robert Mugabe parce qu'il a prophétisé. Décembre 2019, le prophète Bouchiri va mourir. Et il a envoyé ce message tout autour de la ceinture de Bouchiri que non. Boye dit ça, s'il ne veut pas qu'il achète les livres là, que j'ai écrit, j'ai vu.
Il a même fait un fait vidéo là. Si vous allez seulement dans la Passion Java là dans le YouTube, là vous allez voir la prophétie là. Il dit que j'ai vu le prophète Bouchir mourir. Prophète Bouchir, il a au moins, I don't know how many people that are attending ACG. I don't know, I can't even count. Il bloque les routes. Je vous ai dit que FNB is one of the greatest stadiums we have in South Africa here. It's a stadium that updated the World Cup, the opening game and the closing game. It got like 90 or 90,000 seats. Alors Bouchir là, he always make it full. Attends, ça Stadouana, c'est plus que même ça des martyrs au Congo. Il disait que le prophète Passion Java a écrit un livre. Dans le livre, là, il a énuméré les différentes prophéties que le Seigneur lui a montrées, Dieu lui a montrées. Parmi tant d'autres, la mort du président Robert Mugabe, nous avons vécu ça cette année ici. Alors, parmi les dernières prophéties qu'il a vues, que le prophète Bouchiri va mourir au mois de décembre. Donc, le mois de décembre, c'est la dernière. Plutôt 2019, c'est la dernière année de prophète Bouchiri. Et c'est cette prophétie-là qui a créé maintenant des tensions. Ok, ça crée des tensions. Entre les deux. Maintenant, Bouchiri dit que, le prophète Bouchiri, Shepard, dit que Jabba est fake. He's a false prophet. He's coming with the fake prophecy. I'm not gonna die. I'm still alive. He want to make known by using my name. Donc, prophète Bouchira dit que prophète Passion Java, il veut se faire valoir, se faire voir en utilisant son nom, pas Bimafoulaye, en quelque sorte, si tu peux utiliser ce terme-là. Hein? Donc, il va à la commune. Donc, quand il parle comme ça, les gens vont venir chez lui pour avoir une grande église comme lui. Donc, ce qui fait que, donc, prophète Shepard Bouchiri, c'est parmi, s'il faut parler en Afrique, hein, quelqu'un qui a plus de membres. N'est-ce pas parmi les prophètes, bien sûr, ici en Afrique ou en Afrique du Sud. Alors, il dit que Passion, il dit ça pour qu'il veut l'avoir, il veut arriver à un niveau, lui, là où il est. Alors, ça a créé des polémiques, maintenant, il y a des tensions. Moi, maintenant, I don't know. But je vous balance d'abord, un de nos journalistes là, il est zimbabwéen, il a aussi dit ce que je voulais vous dire. Genre, en résumé, ce qu'il va vous dire en anglais. Si vous comprenez cela, si je voulais un peu vous essayer. Si vous ne comprenez pas, je vais revenir un peu pour vous expliquer. Écoutez d'abord ça. Et lui, il a acheté ce livre-là. Bien sûr, il m'a conduit aussi à l'acheter. Je vais chercher ce livre-là. C'est 450 rennes, comme il a dit. Et que c'est que le prophète Passion Java a écrit, c'est 450 rennes, c'est presque 40 dollars, 38 dollars, quelque chose comme ça. C'est là, dans ce livre-là, qu'il y a toute une liste de prophéties. Et la dernière des prophéties, c'est la mort du prophète Shepard Bouchiri. Écoutons cela et suivons. Good morning and thank you very much for joining me again today, 6 November 2019. And today we want to address once and for all the topic of whether Prophet Shepard Bouchiri is going to die before the end of December. So what I did is I went and bought a book called I Already Told You. This book was written by Prophet Passion Java, and he made in that book approximately 20 prophecies that are going to pass in 2019. And I must say, it's very scary and it's not looking good for Prophet Shepard Bouchiri. Why am I saying so? Every prophecy in that book has happened. And I mean every one of them. So what I'm going to do is I'm going to run down the prophecies. I'm not going to run down in detail. Please go and buy the ebook. It's there online on his website. It's $28. So it's approximately 450 rands. That book is going to show you this man, Prophet Passion Java. He can look like he's a joke to you when he's doing what he's doing. But his prophecies are something else. So let's look at the prophecies. If you listen, if you watch this man, you can get rich. I'm not saying I follow him like a fanatic. All I'm saying is, if a prophecy is made about you, don't dismiss it. So let's look and see what is going to happen to Prophet Shepard Bouchiri. But if I was him, I was going to call Prophet Passion Java and say, what do I do? Forgive me for all the arrogance that I have shown. Can you please pray for me? There's no shame in doing that. Everyone makes mistakes. Everyone panics
when they're given a death prophecy. But I love what has happened. The prophecy is in a book before time. Let's see what happens by end of December. Voilà. En fait, le message, si vous voulez dire quoi? Il a bien dit, lui, il est du média. Il ne prend pas, he's not taking side that he's talking on behalf of Prophet Passion Java, but he's just saying what has been written in the book. And il dit aussi que le message est arrivé chez le prophète Bushiri, mais le prophète Bushiri est arrogant. He's very arrogant, he does not want to listen to that prophecy. Donc il est arrogant, il refuse cette prophétie-là. Bon, c'est ça un peu le problème. Ah, donc, en un mot, c'est ça. Et il dit que, bon, si vous voulez avoir plus de détails, achetez le livre pour savoir. Now, de l'autre côté, that's one side. In the other side, vous allez écouter le réplique ou la réponse du prophète Shepard Bujiri par rapport à cette prophétie écrite dans le livre, écrit par le prophète Passion Java. Suivez sa réaction et je vais vous expliquer. Listen, never listen to any nonsense about anybody prophesying nonsense. Never. There are levels in the prophetic. There are other prophets who are not even allowed to prophesy about other prophets. Then there are people who are not even prophets who are not allowed to prophesy. Just because they use the name prophet doesn't mean they are prophet. Always don't understand that. There are fake prophets out there taking advantage of names that are big. All right. It's not important. But listen to me. And if you want to know who is my son, I mention it. They are planning for my downfall. They have even given people money to shoot me in December and come out as a prophet, yet they have done themselves. So that when now they have done it, they should say, I prophesy. And as I'm saying, it will not happen. Oh, yes. You see, that's what people are doing now. Those ones who are trying to prophesy, they made it themselves. I've got a video. We got information, a video where this man was paying criminals. I have the video. Where he was paying criminals. And not knowing, one criminal took the video and leaked it to say this man will prophesy this next week. So before he prophesied, we had the information. You wonder, why are the people doing this? Because they're saying they also want to have a big church like this. So the only way is, you know. But in the case of this one, it's a different story. South Africa. Will it? My dad. Enzo, you saw me. Enzo. Don't drive. Panta. Yeah, thank you, bro. Levels. Excuse me. Squibidi! What's that shot? Yeah, man. Toronto. Passion job. What's that say watch? They win this. Something I like. Oh my... I'm rich. I'm rich. Thanks, Prophet. Thanks, Prophet. Ouf. Voilà. Donc, pour le prophète Bushiri, Shepard Bushiri, il dit que ce prophète-là, Passion Java, il est contre lui. Il est jaloux. Il veut avoir une grande église comme lui. Et lui ne va pas mourir. Mais il est contre cette prophétie. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire là. Et plus grave encore, il dit que c'est une fabrication de prophéties pour attirer la masse chez lui. C'est ce que Bushiri dit. Java, Passion, prophète Passion, a engagé les gens pour les tuer. Quelques mois passés. Il a même engagé les gens pour confirmer la prophétie. Il les a payés de l'argent qu'on voit dans les images. So, which means that the prophet Passion Java engaged people, paid people
to fake the prophecy so that it can be confirmed. He also paid people to hunt Prophet Shepard Bushiri. Voilà. Je n'aurai pas assez de commentaires. C'est un dossier à suivre. J'aimerais que vous participez, vous qui me suivez au travers le monde entier, la diaspora, en Asie, en Europe, aux États-Unis, à Madagascar, partout, wherever you are watching this video, after seeing those two clips, those two battles between the prophets, this is our analysis. This is my analysis. Okay? Before that, let me read the scripture. Maybe you're going to help us. Nous allons lire les écritures. Ça, c'est maintenant, ça, c'est la manière moi je lis les choses. C'est qui m'a poussé même de venir dans un petit écran. Guys, we are not dumb. Hein? We are not dumb. We are not dupe. We are not dupe. I'm not taking anybody's side. Hein? Je ne prends part à personne. I think 24. Le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24, Matthew chapter 24. Where is it? Matthew 24. Matthew 24, verse 30. Je voulais juste lire là, on a écrit au dernier temps, il y aura des false prophètes dans le camp by my name, all the stuff. If anyone tells you the Messiah has arrived in such and such place or has appeared here and there, don't believe it. For the false Christ shall rise and false prophet and will do wonders, full miracles, so that if they were possible, even God's chosen ones would be deceived. See, I have warned you. Let me read it again. Matthew chapter 26. All right. Matthew chapter 24. I beg your pardon. Verse 23 until 25. It says this. I'm reading English, then I'm going to translate in French. Then, if anyone tells you the Messiah has arrived at such a place, or has appeared here or there, don't believe it. For false Christs shall arise and false prophets, and they will do wonderful miracles, so that if it were possible, even God's chosen one will be deceived. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 23, si c'était possible même, si quelqu'un vous dit que le Christ est de l'autre côté, il est là-bas ou dans un endroit donné, ne le croyez pas. Parce que les faux Christ s'élèveront et les faux prophètes, ils feront des miracles. Alors, Jésus ajoute encore, si c'est là même possible, il va séduire les choisis. That number one. Number two. I'm going to the book of 1 Corinthians chapter 13. Listen to me carefully, people of God. Listen to me, those who are watching me. Veuillez m'écouter, chers amis, chers téléspectateurs. Vous qui me suivez au travers le monde. Parce que le combat ici des prophètes, là, ça nous... It's really hurting. For me, I don't get it. Je ne comprends pas ça. This battle of the prophets. You really prophet of God, guys? Are you really the prophet of God? Why are you fighting? If you read the prophet of God called by the Almighty God, why are you fighting? What for? I make people to read Matthew chapter 24. And the last verse I wanted to read so that you may understand this. I'm taking anybody's side, but I just want to remind us, we are following you guys. We are watching you. People are watching you. Okay, listen to this. 1 Corinthians chapter 13, I'm reading it, verse 1 and 2 and 3. If I had gift of being able to speak in other languages without learning them, and I could speak in every language there is in all of heaven and earth, but I did not love others, I would only be making noise. Verse 2. If I had the gift of prophecy and knew all about what's going to happen in the future, knew everything about everything, but I did not love others, what good will it be? Even if I had the gift of faith so that I could speak
to a mountain and move it, make it move, I would still be worthy nothing at all without love. If I gave everything I have to poor people, and if I were burned alive for preaching the gospel, but I did not love others, it will be of no value whatever. En d'autres termes, je peux avoir tous les dons. Je peux prophétiser. I can prophesy, but if there is no love, forget. There is gift, there is a fruit. So, to all men of God are watching me right now, à tous les hommes de Dieu qui me regardent, qui vont regarder ces vidéos, when it comes to those battles between Prophet Passion Java and Prophet Bushiri, my analysis and my contribution, I'm not the Holy Spirit, but I do have the Holy Spirit. We cannot keep quiet as a media. We are Christian, we are born again, but we can't just keep quiet and watching you guys playing. What about 1 Corinthians chapter 13? If there is love between you guys, because you are serving one God, where are you fighting for? This is revealed now. People are saying, no, you're exposing your works. I'm going to read you the comment somebody sent me before I go. I close. Watch this false prophet battle it out for ultimate supremacy. I doubt Ida will die in December 2019, but what I'm witnessing here, I believe God is cleaning up his house to expose the genuine from the fakes. Only those with discernment will be able to pick up what's going on. 2022 is going to be the final ultimatum. Repent and turn back to me, or face an early grave. Please pray for the salvation of these people. This is the comment I received from one friend. Il dit que on ne comprend pas maintenant. We don't understand. Just to make it short in English, prophet of God, minister of God, if you've really been called by God, I beseech you, let's go back to 1 Corinthians chapter 13. Isn't it you guys are preaching us that if the prophecy comes, what you have to do? You need to discern it. If it's true, you must wait for another prophecy to confirm it by two people, two testimonials, and to confirm it. And what is revealed, obviously, can be condemned. It's not about you to stand and fight for it. It's not about you to rebuke the prophecy and go to the media or go to YouTube on TV to say, no, it's false. You understand, guys? Please, spare us. How many children are coming, attending your church, listening, watching your battles? Where is love? Where is the godly love that you are preaching us? If somebody says wrong thing about you, what are you going to do? You must love. But the Bible says, book of Matthew chapter 5, verse 44, love your enemy. Besides, as a matter of fact, do you think Prophet Passion Java, is it your enemy, Prophet Shepherd Bushiri? Do you think Prophet Bushiri Shepherd is your enemy, Prophet Passion Java? Do you think so? Isn't it you guys are serving one God? So if you guys are serving one God, what are you fighting for? Tell me, what are you looking for? Si réellement vous êtes l'ensemble solo, vous deux là, if you guys are praying the true God, why are you fighting and go to the media, you're exposing yourself? Something's wrong there. As a matter of fact, you have one spiritual father. One. So you guys are fighting and you go to a TV on the media, exposing yourself. That's not make sense at all. Anyway, donc, celui ça, le monsieur ici m'a écrit, il m'a dit que ça, cela démontre que, et cela nous donne l'indication que ce sont des œuvres des ténèbres qui s'exposent. Je doute que quelqu'un pourrait mourir vers cette année, décembre 2019. Mais ce que nous voyons ici, on peut remarquer que Dieu est en train de cleaner. Il est en train de nettoyer puis d'exposer les œuvres qui étaient cachées. Les œuvres, il est en train de balayer sa maison. Il est en train d'exposer les vrais et les faux. Les vrais et les faux. Ceux qui auront seulement l'esprit de discernement, ils vont comprendre que quelque chose ne va pas. Alors 2020, ça sera une année où les gens, nous allons voir les choses.
Peut-être leur mandat peut se terminer en 2019 ou 2020. Dieu est capable d'exposer les œuvres. Il n'y a aucune situation, aucune œuvre qui est dans les ténèbres pouvant se cacher pour longtemps. Ça sera toujours exposé. Cher enfant de Dieu, avant que je termine mon exposé, soyons prudents comme les serpents, n'est-ce pas? Sage comme la, simple et sage comme la colombe. Nous sommes au temps de la fin. Le problème avec nous, nous suivons les miracles. Nous croyons que là où il y a beaucoup de gens, Dieu est là. Dieu n'est pas dans la masse, seulement. N'est-ce pas? Où était Bartimée? Bartimée était dans la masse, qu'est-ce que Jésus était là? Bartimée était dans la masse, Jésus n'était pas là. Mais Jésus passait. Est-ce qu'on comprend? Alors, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il faut croire et les miracles vont suivre. Mais toi tu ne crois pas, mais tu suis les miracles. C'est ça le problème que nous avons avec les enfants de Dieu. Alors, les prophètes commencent à se battre. Celui-ci dit que Nzamba Lakisinga Oya Kokufa. Patient le dit que Nzamba Talisi en fin décembre à prophète Shepard Bushiri, Oazana Bate Bele na ba église, Azana Baton du Sarabate Bele, après ça va professer Bele na kata Pretoria kuna. Dieu lui a dit que prophète Bushiri a Pretoria Kokufa na décembre awa. Bushiri parle qui na télévision, le prophète Bushiri a l'écrit na écran pour dire que non. Patient Jaba a l'okuta, Aza Foua, Zolinga Koma l'Olanga. A jalou nangai, nga zan église mounen loko langai. D'ailleurs, a tindi koutou batou, a fouti batou balar, ne bon mounan la image. A fouti balar. Donc, zon ka ba prophétie, moussou zan ba trika juko. C'est ce que moi j'observe. What observing, some prophecy which means they are set up. Because they say it, we can see on the video. They are set up. They pay people a lot of money to pretend and to accept whatever going to be said. Yes, papa. Say, papa, I mean, I'm just analyzing this video. If, si le prophète Java peut payer les gens pour confirmer la prophétie, c'est qu'il y a certains prophètes qui ont utilisé la bango batou. Bon, c'est la batou, a fouti maintenant la boue, y'a des aboué, y'a au cause de la maladie, n'est-ce pas, aboué, y'a aux alatengu, n'est-ce pas, aboué, y'a au cause de nos combats, y'a aux aboué, y'a un report à docteur en haut, bah, c'est ça, les paiements cachés à l'hôpital. Hein? Ils ont fait ça, comme ça, tant que bien on a foule, il y aura que le bac. Non, Zalagina, si la barre reporte en haut, après, n'a que ça, ça teste, si des kimi, à cause, il y a papa, papa n'a bon de l'iponanga, à l'obac, que non, Nazana Sida, docteur a salé qui résultat, que Nana Sida, mais après deux, trois jours, une semaine après, Nazoni, si des kei. Donc, on paye les gens l'argent pour être vulnérables. Et ces gens sont des vulnérables, n'est-ce pas? Ils acceptent aussi de l'argent comme ça, jusqu'où? Même chose qui est vraie, hein? Jésus a dit dans Matthieu 7, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Et Jésus a dit aussi, tu viendras, you'll come. Oh Lord, I prophesy by your name. I did miracles. I did this for you, for your sake. Look, I was putting crowd in the stadium. The Lord will send in Matthew chapter 7, verse 21. Hey, winner, out of my sight, man, get out of me. The Lord will say, get out of me. I do not know you. Le Seigneur te dira, arrière de moi, Moussikananga, je ne te connais pas. La Bible dit, je ne t'ai jamais connu. Jésus a dit, je ne t'ai jamais connu. In other words, you were using my name, but I never known you. Imagine, at the end of the time, we all on the queue, we are looking for this prophet, this pastor, this minister, this evangelist. The Lord said, no, I don't know. I had never known them. They were just using my name, but I did not know them. I didn't even not mandate them to do what they're doing there. They were faking it. Pretend it's they're using my power. Men of God, you are watching me right now. Vous me suivez maintenant. Quel avantage auras-tu après avoir tout gagné de luxe, la vie, les maisons, n'est-ce pas, tu as tout. La Bible déclare, quelle est l'importance d'un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? What the use of having all jets, private jets, cars, luxury houses, expensive money, clothing, all those stuff. At the end, you lose your soul. What value, what advantage of it? Jesus is coming. Jesus Christ is coming very soon. He's going to choose to expose the junior and the fake one. Are you really in the junior one or are you the fake one? The eyes of God is watching you, my brother, my sister.
You are a minister, you are a brother, you are a sister. The eyes of God is watching over you. What I'm urging us, guys, c'est que nous demandons le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ayant l'esprit de discernement, parce que le temps est grave. On s'approche vers la tente. Jésus avait dit, il y aura des faux prophètes. Parce que quand je vois les vidéos comme ça, les deux prophètes se battent. Ils appartiennent à un père spirituel, mon corps. Ils ont été impactés par le même père. Mais ils se battent. Va dans leur Facebook, tu verras. Va dans leur YouTube, tu verras comment ils exposent leur vie luxueuse là. Mais dommage que les gens qu'ils conduisent là, beaucoup sont des pauvres. Ils font des actions à des petits groupes là. Mais la majorité sont des pauvres, désespérés, desperate. Many of them, they are poor. The only gift, a few group of people. But some, they're struggling to find a job. Please, guys, I beseech you before I close my comments. Prophet, please, let's use 1 Corinthians chapter 13. And let's stop this. We call it nonsense on the media. There are people out there, pagans, they're watching you. Pagans, the unbelievers, they're watching you guys. But when you are exposing whatever you guys are doing there, is Jesus Christ is glorified? I'm just asking. Est-ce que Jésus vraiment est glorifié? Lorsque vous, les prophètes, voyez la télévision, vous vous exposez là. Non, ces prophéties-là est faux. Et ce qu'on sait que toi, tu donnes là est vrai. You are standing against a man of God prophecy. So which means what you also are giving us, we can just discern it. Is it true or fake? Because you said that one is a fake prophecy. What about what you are giving? So, chers enfants de Dieu, Bana Mboka, Bana Congo, tous qui me suivent en ces temps ici, africains, ayant l'esprit de discernement. Le temps est tellement grave que on va encore voir des choses. Bref, le prophète Java, le fort spirituel du prophète Hubert Angel, a prophétisé sur le prophète Bouchiri que décembre ici, à la fin 2019, il va mourir. C'est écrit dans son livre. Et Bouchiri a répliqué que non, c'est faux. Cet homme-là est envieux, il est jaloux de moi. Je ne vais pas mourir. Il a même envoyé les gens, il a payé les gens pour qu'ils puissent me tuer. Donc il fait des arrangements pour me tuer après qu'il va dire que la prophétie est accomplie. Guys, I think we need to pray for these people. They have to repent. I like that my comments said, please pray for this salvation of these people. They must repent and turn back to me or face the early grave. That's what Jesus said. 2020, a lot here to come. We will see how God will expose the genie and the fake one. Soyons prudents, chers enfants de Dieu, chers téléspectateurs. Vous m'excuserez, peut-être j'étais dur, mais c'est ça mon analyse. Je ne prends aucun côté, ni de l'une de celui-là, ni de l'autre là. Je vois seulement. Et nous sommes là pour parler de ça. Et continuez à prier aussi pour nous. Parce que je sais que lorsque nous exposons comme ça, non, c'est pas que I'm just born again, Christian. Joshua Boloa. Facebook, Joshua Boloa. I'm just born again, Christian. I'm a TV presenter, personality. And when I observe what's happening, many people, I don't want them to go to hell. Jesus paid the price for them. So don't play with the soul of Jesus. Guys, I beseech you. Don't play with what Jesus endured on the cross of Calvary. He suffered for people, but you are trying to manipulate them. Spare us from your fight. Spare us from your whatever happening. I don't know where you guys meet. Sometimes you meet to talk, but on TV you pretend as you are fighting. You are distracting the people of God. How many people are hurt when you check the video? Hey, he wanted to kill me. He paid people. Some people are very emotional. They are believing what you guys are doing. Come on. Jesus shed his blood for them. Please. Jesus Christ has shed the blood for them. At least for the works of the Calvary. At least for the sake of the work of the Calvary. Have that burden, compassion, that merciful heart to train people, to prepare them for the upcoming of Jesus. To prepare people for the rapture. People don't need the luxury only. What about Lazarus? He was poor, but when you go to heaven, he was there in the bosom of Abraham. What about the rich man? He was rich on the earth. People are honoring him. They are afraid of him. They were scared because he got money, got power. But when he died, where was he? To the graveyard, to hell.
Where there is fire tormenting. Please, that's what we need to prepare people. We need a transformation of hearts, a behavior. I like doing that, preparing people to the upcoming of Jesus. You are distracting us with your fight. No, this prophecy is fake. Come on. On n'a pas besoin de ça. Juste pour l'amour de l'âme de Jésus. Jésus a versé le sang pour ces gens qu'il t'a donné là. Jésus a versé son sang pour son peuple, pour les perdus. Et Dieu les t'a envoyé pour les préparer à son retour. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu le manipules. Ça ne va pas. Tu le manipules pour rien. Et surtout les mamans, les hommes ignorants, ils sont manipulables. Ça, la connaissance de la parole. You guys don't have time to read the word. That's why they've been manipulating you. Take your time to read the word. Come on. The true prophecy is here. What is he going to head you when they say you are wearing a color or a blue underwear? Why is he going to head you? Qu'est-ce que ça ajoute quand tu dis tu as un sous-vêtement bleu ou tu, ton père ou ta mère, tout ça, tout ça? What is going to head on your faith, on your knowledge of God? No. This is the true prophecy, the Bible. The true one. Read it. Joshua chapter 1, verse 8. May this book shall not depart from your mouth. Meditate it day and night. Then you shall prosper. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits, mon frère, ma soeur. Serviteur de Dieu, toi enseigné, ba nandan, ba ye ba liloba. Ba kota ba classe, ba fermissima, ba ye kola liloba. Ba ye ba sekwa les sali, ba ye ba identité na ba ouye pa nan zambé. Qu'ils reconnaissent, qu'ils apprennent leur identité en Dieu. Les bénéfices d'être en Jésus, le pardon, le salut, le Saint-Esprit, tout ça, qu'ils connaissent ça. Pas leur manipuler avec des prophéties, sans fonder sur la parole. Et à la fin, Jésus va dire, non, je ne t'ai jamais connu. Après tout ce que tu as fait, mon frère, ma soeur. Après l'argent que tu as eu, les voyages que tu as fait, les avions que tu as achetés. Et à la fin, Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi. Quelle désolation. That brings me at the end of my show. Joshua Boloa. Let's keep in touch. Let's pray. Let's wait, watch and see what's going to happen. Que Dieu vous bénisse. Grand merci à maman Francine de la Belgique. Merci à prof Bellon à Sot Riva. Merci à toi pour votre soutien. Merci à tous les hommes de Dieu qui vont prier pour nous, qui vont suivre cette émission. Et partout, vous serez connectés, branchés sur www.congodialogue et dans votre émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. N'est-ce pas? Grand merci à vous. Restez connectés, branchés. Jusqu'à un prochain numéro. Bye.